Et salut tout le monde, c'est Sergent-Mickaël et on se retrouve pour ce 5e épisode de Pokémon version blanche sur Nintendo DS. Et donc, on s'était quitté la dernière fois avant d'aller battre le champion d'arène de la ville de Logoès. Mais entre-temps, j'ai fait XP mes Pokémon. Donc, nous avons donc dans notre équipe Galius, qui est notre Feuillajou, Chiotte qui est notre Ponchio, Newtitef notre Gruikui, et Skelera notre... j'ai oublié le nom du Pokémon, c'est super, ça commence bien. Notre Chakripor, voilà. Donc je les ai fait XP. Chiotte est actuellement au niveau 15, Newtitef au niveau 16, et Skelera au niveau 19. Oui, mon but n'était pas de faire XP Galius personnellement, mais bon, le fait est tel qu'il a quand même monté de quelques niveaux. Donc, c'est cool pour lui, quoi. Autant, voilà, enfin voilà. C'est cool pour lui. Donc maintenant, on va aller... Est-ce qu'on peut acheter des potions ou quoi? Je pense, non? Acheter. Ouais, on a zéro, c'est pas grave. Oui. Bon, ben, on va aller tenter de se le faire, ce champion. Donc, c'est juste à côté. Oui, je suis bien le champion d'arène de cette ville. Tu es? Ah, c'est pour un combat à l'arène. Je peux te demander quel Pokémon tu as pris en premier? Gruikui, il n'aime pas le type eau, hein. Tu devrais faire tes préparatifs, à mon avis. Bon, je t'attends à l'arène. Bah, monsieur, les préparatifs, vous les avez déjà faits, hein. Nous sommes des gens prévoyants, nous. On fait les préparatifs à l'avance. Enchanté. Je suis Guido, le guide des dresseurs dans les arènes Pokémon. Merci encore de relever ce challenge. Et pour célébrer tes débuts, voici pour toi. SM reçoit une eau fraîche. SM a mis l'objet eau fraîche de la poche médicament. Merci monsieur. C'est gentil de me donner de l'eau. Je suis pauvre, je peux pas m'acheter de l'eau, je suis comme ça. Feu. Ah, attends, faut faire quoi? Bienvenue. Nous avons un menu spécialement adapté au dresseur qui fait notre célébrité. Feu. Ah ok, je peux... Ouais, faut aller sur la capacité qui peut battre le feu. C'est ça. L'eau, forcément. Ouais. Ah, ça va. C'est easy. Bonjour et bienvenue à l'arène d'Ogoès. Vous y goûterez aux délices du combat de Pokémon. Commençons par les entrées. C'est un restaurant, les gens. C'est un restaurant. Ouais, on a Galius en première position. Ce qui est chouette. On va faire une attaque griffe. Ah oui, après je vous dirai les attaques qu'ils ont gagnées en XP. On va finir ce mec là. Combo griffe. Si je le touche 5 fois, ce serait cool. 4. Ouais. Bon, tu vas nous faire Fouillian. Et comme ça sera bon, on l'aura fini. Niveau 11 quand même, hein. Ce qui n'est pas à négliger. Eh bien, ma foi, vous êtes un formidable dresseur. Eh, on sait, on est comme ça. Ouais, donc, Pokémon. Et donc, je vous le rappelle, Galius, je ne comptais pas le faire XP, mais bon. Quand il me restait plus que dans l'équipe, forcément, voilà quoi. Donc, Galius a actuellement l'attaque griffe, l'attaque combo griffe, l'attaque l'échouille et l'attaque fouillane. Ses capacités spéciales et gloutonnerie, ça encourage l'utilisation d'une bête nue.
Chiotte, lui, à l'attaque gros yeux, charge, bélier et morsure. Sa capacité spéciale est ramassage, permet parfois aux Pokémon de ramasser des objets. Maintenant, Nuditeuf, ses attaques sont l'attaque charge, mimiqueux, flamèche et nitrocharge. Et sa capacité spéciale est brasier, comme vous pouvez le voir. Ça booste les capacités de type feu en cas de besoin. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est quand il ne reste plus que la moitié de notre vie que la capacité brasier s'active, mais je suis pas sûr. Et ensuite, nous avons un Skelera qui a l'attaque griffe, poursuite, combo griffe et jet de sable. Et sa capacité spéciale, c'est délestage. Ça augmente la vitesse si l'objet tenu est utilisé ou perdu. Ouais. Donc, pour battre l'eau, bah, il faut... petite plante. Elle est trop des fous. Nous sommes très fiers de notre menu. Complet d'entraînement ici. C'est votre plat de résistance. C'est faux. Le champion, c'est mon plat de résistance. Ah là là là. À moins que ce soit le dessert. Ouais, peut-être. Alors, attentif. Niveau 10. Ça va, on va se le faire tranquille. Attaque griffe. Je trouve que Galus a vachement gagné en vitesse, en tout cas. Ok, une petite potion, ça pose. Oh, mais j'ai une eau fraîche. 50 PV. Ouais, non, autant utiliser une potion. Morsure. Morsure qui est une attaque de type ténèbres. Allez, griffe encore une fois. Et on enchaîne avec combo griffe. Et ce sera bon. En fait, si vous le savez, dites-moi dans les commentaires où on peut avoir le multi-XP. Parce que c'est quand même un objet assez intéressant. Enfin, sauf si on le trouve dans cet épisode, hein. Après, je ne suis pas devin. Pas encore. Ici, on va faire une attaque... Ouais, on essaye de finir avec griffe. Ouais, allez, on tente. Ah, presque, hein, mais c'est sérieux, là. Il lui reste quoi? Un PV, quoi. Ouais, non, on va finir avec griffe, tranquille. J'allais dire, ouais, on va switcher sur combo griffe, mais... clairement, je vois pas trop l'utilité. 123 pour XP. J'espère que vous avez pris plaisir à vous battre contre moi. Bah, ce fut un combat qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. Nous sommes très fiers de notre menu complet d'entraînement ici. Le championnat d'arène vient en dessert. Ah bah oui, c'est le dessert alors. Ok, pour battre la plante, c'est le feu. Et là, on a le champion. Mais... on va d'abord aller faire soigner le Pokémon au sort de Pokémon. C'est pas très utile, mais... voilà quoi, on va quand même le faire. Parce que j'ai quand même... quand j'étais gamin et que je jouais à Pokémon, j'ai eu des fois de grandes surprises avec certains dresseurs, donc j'ai pas envie... que ça se passe comme ça. On va d'ailleurs profiter pour acheter des potions. Ça pourrait être utile, hein. Acheter. Potions. On en a 3, on va en prendre 2, comme ça on en aura 5. Puis je pense que quand on aura fini l'arène et qu'on prendra la prochaine route, on achètera une ou deux Pokéballs. Histoire de capturer de nouveaux Pokémon. Je suis trop rapide.
Bienvenue chez nous, à la reine de Goès. Moi, c'est Armando. J'explose tout avec mon Pokémon feu. Je me nomme Noah, spécialiste du type eau. Tu vas avoir droit à ma démonstration. Et puis il y a moi, j'aime le type plante, et je m'appelle Rachid. Je pense que... Comment dire, tu te demandes pourquoi on est trois alors? Pitié, laisse-moi faire, on est trois, t'as vu ça? Ouais, trois. Et on choisit qui va se fighter en fonction du type du premier Pokémon de l'adversaire. Bon, on est comme ça nous. Parfaitement, oui. Et ainsi le premier Pokémon que tu as choisi est de type feu, n'est-ce pas? Ouais, donc on va devoir battre Noah. Ainsi, j'aurai l'honneur de t'affronter avec mon type préféré, eau. Moi, ce que j'aurais trouvé qui aurait pu être cool dans le jeu, en fait, c'est qu'on se fight les trois. Donc, avec un type feu, avec un type eau et l'autre avec le type plante. Enfin, ça aurait pu être intéressant, hein. Excellent. Tu vas pouvoir te mesurer à la crème de la fratrie. Ok, monsieur. Monsieur, j'ai des cheveux bleus. Un combat lancé par champion noir. Un poncho. Niveau 12. Ben ça va. J'aurais cru qu'on aurait genre un niveau 15, truc comme ça. Les griffes. Ah, mais ils ont une bonne défense à mon avis parce que... Mon attaque griffe n'a pas été très très efficace. Donc ce n'est pas du tout à négliger. Je suis favorablement impressionné. C'était un coup intéressant en effet. Combo griffe. Oh, il évite l'attaque. Ça commence déjà, ça commence déjà. Foiliane. Ouh, mais c'est fou, hein. Genre il lui reste un PV. Pire, ça aurait été un Pokémon qui avait fermeté. À la limite, j'aurais compris, mais là, clairement. Allez, griffe, et on en finit. Ah là là, une potion. C'est d'ailleurs ce truc que je pensais plus, quoi, que dans les arènes, il pouvait utiliser des potions. Enfin, ailleurs aussi, mais c'est généralement dans les arènes et... Et à la Ligue Pokémon, quoi. Morsure. Ça fait mal, quand même. J'utilise une potion aussi. Moi, je suis comme ça. Morsure. C'est que ça fait mal, quand même, morsure, hein. Oh, on va switcher. Et on envoie chiotte. Poncho contre Poncho. Parce que je suis comme ça, moi. Gros yeux. Comme ça, on fait baisser sa dé... Ah non, mais je suis con, il est dans le rouge. À quoi ça sert de faire baisser sa défense? Ouais, on utilise une potion pour rien. Comment gâcher des potions? On va utiliser l'eau fraîche, hein. Comment gâcher des potions et perdre du temps dans une vidéo? Voilà, ne me remerciez pas. Si vous n'avez besoin de rien, vous m'appelez. Charge. Bim. Ok, donc il a deux Pokémon. Le suivant, je suppose que c'est un Pokémon de type... de type eau. Gallus monte à niveau 15. C'est cool pour lui. Flottage va être envoyé. Pas clair, ouais, on va envoyer Gallius. Étant donné que c'est un Pokémon eau, un Pokémon plante pourra faire l'affaire. Ok, niveau 14, là je suis niveau 15. C'est cool. Mais je suis sûr que si je fais fou Eliane, je vais l'avoir en one shot. Donc, pour que ça dure un petit peu plus longtemps, je vais faire le fou, je vais utiliser griffes. Bon, si vraiment ça commence à se passer mal, là on n'hésitera plus, mais voilà. Et combo griffe.
ou pistolet à eau, que ça fait mal, que je suis triste. Touché que deux fois. Petite potion sur Gallius. Gallius, qui, je le rappelle, est un homme qui fait des let's play un petit peu comme Naughty Tough, quoi. Enfin, c'est de youtubeurs, on va dire, que j'apprécie. Ouais, griffe, allez. En fait, j'hésitais à utiliser directement Fouillian, je me suis dit, ouais, mais bon, voilà, quoi, on va directement la voir, donc, ce serait pas très intéressant. Enfin, si, mais voilà, quoi. Je vous rassure, quand on sera à la ligue ou quoi, je vais pas faire, ouais, non, je peux. J'utilise des attaques qui ne servent pas à grand-chose. Là, c'est parce que, clairement, c'est le combat contre le premier champion, donc voilà, on en profite un peu. Enfin, je vous dis quand même que c'est pas forcément l'équipe que j'aurais fait dans l'aventure, hein, pas du tout. On va capturer d'autres Pokémon et en fonction, on en enlèvera peut-être certains. Bon, je dis pas qu'il y en a pas un qu'on va garder, hein. Notre starter, ça, à mon avis, lui, on va le garder jusqu'à la fin. Ahurissant. La ligne n'aura qu'à bien se tenir. Prends ce badge pour ta peine. Et on obtient le badge. Voilà. SM reçoit le badge triple de noix. Les badges prouvent la valeur des dresseurs. Avec un badge, les Pokémon chargés obéissent jusqu'au niveau 20. Aussi proche ceci. La CT 83, rengorgement. Tiens, encore rengorgement déjà. À l'intérieur, tu trouveras la capacité rengorgement. Elle augmente l'attaque et l'attaque spéciale. Au fait, tu peux utiliser une CT autant de fois que tu veux. Ça, c'est la petite amélioration d'un Pokémon blanc. Pour ceux qui n'ont jamais pu jouer à Pokémon blanc ou les opus qui ont suivi, c'est la première fois qu'on peut utiliser une CT autant de fois qu'on veut. Contrairement à une CS qu'on a toujours pu utiliser un nombre de fois. Bonjour. Salut! Je me présente, Oris. Le professeur Ketelaria m'a demandé de te donner quelque chose. Ah oui, Oris, l'assistante du prof Ketelaria dont on nous avait parlé au début de l'aventure. Viens un peu par ici. Elle m'emmène chez elle, là, tranquille, ce. Vous voulez trouver tous les Pokémon d'Unis, n'est-ce pas? Ouais. Ah, les escaliers sont juste là. Genre, j'habite là, mais je sais plus où se trouvent les escaliers, c'est fou quand même. Ma chambre est là-haut, viens, monte. Ma chambre est là-haut? Oh, pas de sort de Pokémon, s'il vous plaît. Je me présente encore une fois. Je suis Oris, une scientifique, comme tu peux le voir. Et ma spécialité, c'est les dresseurs. Je suis une amie de Ketelaria, depuis l'université, et elle m'a demandé de te donner un coup de main. Pour fêter notre première coopération, laisse-moi t'offrir cette CS. Coupe. Ça pourra couper les arbres. Génial. Parmi les capacités que les Pokémon peuvent apprendre, certaines peuvent être utiles en dehors des combats. Cette CS apprend la capacité coupe qui sert à ramasser des petits arbres. Des petits arbres, pour moi on dirait des buissons, mais bon, voilà. Et tu sais, les CS comme les CT, tu peux les utiliser autant que tu veux. Méga cool, non? Mais attention, une fois apprises, les capacités secrètes sont dures à oublier. Bon, après ce coup de main, j'ai quelque chose à te demander. Près de Goes, il y a un endroit appelé les vestiges du rêve. Là-bas, il y a un Pokémon, Muna, qui crache la brume des rêves. Il me faut cette brume des rêves, avec elle je pourrais accumuler les données de nombreux Pokémon, grâce à la synchro jeu. Ouais, bon, quand on se connecte à Internet, en gros. Ouais. Moi, je vais quand même prendre coupe à Pokémon, hein, parce que je pense qu'il y a des arbres, justement, là. Coupe. Disait, c'est s'activer, elle comptait coupe. Ouais, on va prendre coupe à... Donc, il y a Gallius qui peut la prendre, Skelera.
On va la prendre à Galios. Hein. Et on va remplacer Coupe par... Enfin, on va enlever les chouilles pour mettre Coupe. Galios a totalement oublié les chouilles et Galios a appris Coupe. C'est bien, mon Galios. Je suis fier de toi. Qu'est-ce qu'elle raconte, la madame, là? Tu es des resteurs, tu t'es servi du PC, du centre Pokémon, je suis Boletta. Boletta. Il y a des gens qui s'appellent vraiment Boletta. Pas possible. Enfin, j'ai rien contre les Boletta, mais bon. C'est moi qui m'occupe de ces boîtes. Tu connais la boîte combat? La boîte combat? Non. Bon, en deux mots, dans la boîte combat, on peut enregistrer des Pokémon qu'on dit souvent au combat. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Bon, ben, donc, on va devoir aller au vestige du rêve. Mais ça, ça se passera dans le prochain épisode, dans l'épisode 6. Sur ce, restez toujours au rapport, comme moi, présent du Sud-Nord. Et ciao !